Sourate, le reploiement. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le clément. Lorsque le soleil sera reployé, s'enroulera, sur lui-même, sous l'effet de la densité ou de la force gravitationnelle, lorsque les étoiles seront disséminées, lorsque les montagnes seront mises en mouvement, lorsque les chamelles pleines seront abandonnées, lorsque les bêtes sauvages seront rassemblées, lorsque les mers se seront mises à bouillonner, lorsque les âmes réintégreront leurs corps respectifs, lorsque l'on demandera à la fillette enterrée vivante pour quel crime elle fut tuée, lorsque les bilans des hommes leur seront remis, lorsque le ciel sera plié, lorsque la géhenne sera attisée, lorsque le paradis sera rapproché, ce jour-là, il sera rappelé à chaque âme ce qu'elle aura accompli. Non. Je jure par celles, les planètes, qui gravitent, virevoltent et disparaissent, référence aux forces gravitationnelles, par la nuit qui se dissipe, et par l'aube qui exhale son souffle, que c'est, ce Coran, bien une parole transmise par un noble émissaire, l'ange Gabriel, investi de ce pouvoir par le maître du trône, obéit, au sein de la cohorte des anges, est digne de confiance. Votre compagnon n'est pas un illuminé. Il l'a, l'ange Gabriel, réellement vu lorsqu'il s'est manifesté à lui emplissant l'horizon et il ne saurait garder pour lui-même le mystère. Il ne saurait non plus être parole d'un démon lapidé. Jusqu'où irez-vous ainsi, dans vos élucubrations? Ce Coran n'est qu'un rappel qui s'adresse à tout l'univers, et pour quiconque parmi vous aspire à emprunter la voie droite. Cependant, vous ne saurez y aspirer, à moins que ce ne soit par la volonté de Dieu, le Seigneur de l'univers.